Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, dans la lumière de ces jours. Marchons dans la lumière, marchons dans la lumière, oui, marchons dans la lumière, dans la lumière de ce jour. Dans la lumière de ces jours. Vivons dans la lumière. Vivons dans la lumière. Oui, vivons dans la lumière, dans la lumière de ces jours. Nous croyons dans la lumière, nous croyons dans la lumière, nous croyons dans la lumière, dans la lumière de ce jour. Lève-nous pour psaume. Nous lisons le psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40, nous lisons la parole de Dieu. J'avais mis à l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du feu de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et y ont de la crainte. Et ils se sont confiés à l'Éternel. Heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs.
Tu as multiplié, ô Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre en est tellement grand. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et toi et la loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne méprises pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des mots, sa nombre m'environne. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veille me délivrer, Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui enverront ma vie pour la lever, qui reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur pour l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans la régresse et se réjouissent de toi. Amen. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel. » Amen. Moi, je suis un pauvre indigent, mais le Seigneur pense à moi. Amen. Tu es mon aide et mon libérateur. Amen. Mon Dieu ne t'aide pas. Amen. Amen. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Tout mon cœur est à toi, ô Jésus, mon roi. Aura-moi semblable à toi, fais de moi. Aide-moi ce que tu veux, Seigneur. Aide-moi ce que tu voudras. Tout mon cœur est à toi, ô Jésus, mon roi. Aura-moi semblable à que ton Saint-Nom soit glorifié encore ce matin, qu'il soit vraiment béni et glorifié encore par tes puissants, aimé de tous nos cœurs pour ta bonté que tu manifestes à l'endroit de tout un chacun. Nous sommes venus avec beaucoup d'allégresse dans notre cœur, attendant de pouvoir te voir agir encore dans notre vie, et tu le fais, Seigneur. Merci encore pour le chant des cantiques que tu as conduit encore ce matin. Mon Dieu, nous te remercions parce que nos cœurs ont été touchés de voir que réellement tu es le Dieu qui suscite encore, qui mérite encore davantage, mon roi, qui donne encore cette allégresse dans le cœur de ceux-là qui t'aiment, Père. Nous t'avons chanté avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie, Père. Tu as regardé nos cœurs, bénémoine, Père Saint-Dieu. Bénis notre précieux frère. Nous te disons merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci réellement pour ta bonté à notre endroit et la manière dont tu conduis encore les choses jusqu'aujourd'hui, Père. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur, tous les jours de notre vie, Seigneur. Oh, Père, puisses-tu te souvenir encore de chacun de nos pères, de ce peuple qui se tient ici en ton nom, béni mon Père Saint, qui a pu faire des kilomètres de distance, béni mon Père, pour se rendre à cet endroit, afin de pouvoir t'adorer, te louer, te glorifier, Seigneur. Nous te devons la gloire et l'honneur, Père Saint-Dieu, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom encore pour le chant des cantiques, mon roi, pour le psaume, béni mes Pères, Saint-Dieu, pour chaque frère et chaque sœur qui s'est tenu ici avec autant d'amour, Père Saint, pour te chanter les chants des Sion, Père. Tous ces chants ont touché nos cœurs, mon béni mes Pères, Dimissant, les enfants, la gloire, Père Saint-Dieu. Mon âme te loue encore, Père Saint-Dieu, parce que nous voyons ta main puissante qui agissante encore, Seigneur. Nous sommes tous soumis à toi, Père. Nous respectons ce que tu es, ce que tu fais, Seigneur. Nous avons la crainte, Père Dimissant, de ton nom à toi, Père. Le
le prononçons avec tremblement, Seigneur. Tu es réellement le roi, le rédempteur, Père Saint-Dieu. Sois béni encore pour tous nos frères et sœurs qui sont en connexion à différents endroits, qui soient aussi bénis, Père Saint-Dieu, ce matin, en tous les lieux, qui soient bénis, Père Dieu, et leurs enfants aussi, bénis, Père Saint. Nous te remercions encore pour la consolation que tu donnes, Père. Tu as consolé notre sœur, tu as consolé nos frères et sœurs. Merci encore d'avoir amené notre frère, Père Saint-Dieu José. Nous te remercions parce que tu es réellement le Dieu que nous aimons, Père. Tu ramènes, tu soutiens, tu fortifies. Et souviens-toi de ton précieux frère qui sont en sa famille, qui sont partis, Seigneur. Puisse-tu le bénir, qu'il soit gardé, préservé par toi, Père. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons combien il nous est vraiment nécessaire d'avoir nos cœurs et nos âmes tournés vers le Seigneur. Et merci. Tournés vers le Seigneur. Pourquoi aussi expérimenter la joie de pouvoir toujours le désirer et le chercher? Parce que si cela n'était pas ainsi dans notre cœur, si nous n'avions pas le Seigneur, nous n'aurions pas effectivement aussi ces ailes, parce que c'est celui qui pousse effectivement dans ce que nous puissions arriver à avoir cette joie dans notre cœur, parce que d'abord, nous les désirons, nous l'aimons, et lui aussi fait aussi son œuvre dans chacun. Que Dieu vous bénisse tous, amen. Vous tous qui êtes venus de loin comme de près aussi. Et c'est aussi une grande consolation pour nous tous également de pouvoir nous retrouver ainsi, comme la Bible dit, voici où qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Est-ce que vous avez cette joie dans votre cœur? Amen. C'est bon d'avoir des frères, c'est bon d'avoir des sœurs, c'est agréable de les avoir continuellement et surtout quand vous parlez avec eux, vous vous sentez tellement heureux parce qu'ils ont cet amour du Seigneur qui dégage ici. Parce que c'est ça, c'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons tous, pour que réellement cette vie de Christ soit manifestée dans tout un chacun de nous. C'est pour ça que la présence de tout un chacun, d'un frère ou d'une sœur, est toujours un moment de joie aussi, lorsque nous pouvons réellement aussi nous retrouver ensemble. Parce que cela aussi, comme dans ces temps, effectivement aussi, ils se rendaient compte effectivement qu'ils avaient des frères qui étaient ceux-là que Dieu leur avait donné, puisque lorsqu'on a commencé à le menacer, à les fouetter, à le maltraiter, effectivement, et la Bible dit qu'ils allaient vers les leurs. Ils ont retrouvé aussi un réconfort et tous ensemble étant rassemblés, ils ont commencé à élever leur voix vers le Seigneur, à prier de tout leur cœur parce que c'était la cause, c'était leur cause, ça les concernait. Et quand on touchait aux choses du Seigneur, on le touchait aussi. Et vous comprenez qu'il n'y avait pas en fait une séparation entre les choses qui concernent Dieu et eux-mêmes. Donc, il se voyait effectivement aussi dans cela. C'est pour ça que quand le Seigneur a eu à pouvoir parler effectivement à Saül, effectivement, Saul, effectivement, sur le chemin de Damas, qui est devenu Paul, effectivement, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce que ceux-là, qu'on les appelait les chrétiens, effectivement, leur vie n'était pas à part, côté de l'évangile, en dehors de l'évangile. Cette vie était dans l'évangile. Ils vivaient pour l'évangile et ils mouraient aussi pour l'évangile. Parce qu'ils savaient que quand on touche aux choses qui concernent Dieu, en fait, je peux pas être comme ça, qui est quelqu'un qui est insensible. C'est quelque chose qui me touche profondément. Donc c'est merveilleux de pouvoir réaliser que nous ne pouvons pas être en fait que la parole de Dieu est comme ceci et nous ne sommes pas. Et qu'on puisse maltraiter, je dis, nous ne disons absolument rien. Non, nous devons arriver à pouvoir dire que quand on touche la parole de Dieu et on touche les seigneurs, effectivement, sans le vouloir, en fait, on nous touche aussi également. Parce que quand nous, on touche le Seigneur. Il faut que cet amour soit vraiment réciproque. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi que comment donc les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ce qu'il voit comme environnement et tout ça, ou penser à lui, mais en se dirigeant donc d'après donc sa parole, donc ta parole. Et c'est pour ça qu'il nous dit que je sers ta parole dans mon cœur. Si on pouvait arriver à cela, on n'a pas besoin de vous conseiller. Si la parole de Dieu est l'objet de votre amour,
et que de votre préoccupation, nous serons simplement qu'un chant de louange. Comme je pense que c'est notre jeune sœur qui a chanté tout à l'heure, je pense que c'est passé, il chantait un cantique là que notre frère ici, Salem, a toujours été de chanter. Vous vous souvenez de ces cantiques? Et c'était encore comment? Donc vous entendez donc. Hein? Oui, oui, c'est la vérité. C'est bien, c'est la c'est merveilleux, hein, de voir cela. Et comme l'agit devant le potier, donnez-moi la forme qui te plaît. C'est merveilleux. Fais toutes choses en ton temps. Vous entendez cela? Je serai toujours confiant. Et Dieu soit béni. vous comprenez ce que vous chantez, hein? Alors toi sois dans la chose. Amen. Donc il fasse tout en son temps. Amen. Je ne peux pas te presser, je ne peux pas te pousser. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Ah, gloire à Dieu. Quel bonheur, mon frère et ma soeur. Que Dieu, c'est Dieu nous aime tellement, il veut nous élever à ces stades-là, à ces niveaux où nous avons une pleine confiance en lui, effectivement. Et où nous regardons toute autre chose qui sont contraires à Dieu, que ça soit sans valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'autre qui peut me préoccuper autant dans ma propre vie, si ce n'est que Dieu. Donc je regarde toute chose comme étant de la perte et de la boue. Vous vous souvenez? À cause de l'excellence de la connaissance de c'est Jésus le Christ, en fait. Mon frère, je ne sais pas comment vous supplier, mais aimez-le. Portez-le dans votre cœur, parce qu'il est un bonheur pour tout un chacun de nous. C'est-à-dire que si on peut arriver à un certain moment qu'on s'oublie soi-même, que notre vie, tout ça ici, n'a plus de valeur. La seule valeur carrément que nous pouvons arriver à pouvoir regarder et soupirer après, c'est lui, en fait. Et c'est la vérité, cela aussi. Oui, il doit avoir cette plus grande valeur, effectivement, par rapport à tout ce que nous pouvons désirer. Et que nos désirs, effectivement, et nos soupirs, effectivement, soient simplement tournés vers lui. C'est-à-dire que là, nous sommes devenus esclaves. Nous ne pouvons rien faire, ni penser à autre chose. Oui, c'est vrai, vous me regardez, vous dites parfois que cette personne ici nous raconte beaucoup de choses. Mais je vous ai toujours dit ici, frères et sœurs, si ces choses ne sont pas en vous, vous regretterez. Personne parmi vous, vous vous attachez à des saletés inutiles, des choses inutiles. Vous vous battez pour des casseroles, vous vous battez pour l'argent, vous vous battez pour... Je vous l'ai toujours dit ici. Vous vous battez pour tout ça. Oui, il y a aussi un cantique. Les gens disent, je pense que c'est souvent... Quand je m'appuierai sur un homme... Il faillira un jour quand je m'appuierai sur ma beauté. C'est écrit. Nous l'avons chanté. En toi, Jésus. En toi, Jésus. Je m'appuierai. Et mon Dieu, l'ancre de mon âme. En toi, Jésus. En sécurité pour l'éternité. Mon frère et ma soeur, je peux m'appuyer sur beaucoup de choses, mais tout cela faillira. Oui, que ce ne soit pas des chansons. Quand Dieu inspire aussi des cantiques, c'est pour notre instruction, que nous puissions arriver à pouvoir comprendre que qu'est-ce que cela veut dire quand on nous dit que nous sommes des vainqueurs. Un vainqueur, ce n'est pas qui est quelqu'un qui est dans la défaite. Il y a une expression que notre sœur Esther, maman Esther, je pense que Dieu la bénisse là où elle se trouve, et elle dit toujours, il y a un cantique qu'elle aime. Ah, aujourd'hui, que Dieu soit béni. Alors, elle a toujours une expression que vous savez avec le cantique que vous chantez, elle dit, c'est dans cette expression-là. Elle exprime ça, tu le beau. Ben, en fait... Ça exprime quelque chose qui est parfois, bon, dans la traduction française, ça n'a pas vraiment donc. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je crois qu'en anglais, on dit mighty conqueror. Donc, vous sentez les points, non? Mighty.
Mighty. Mighty. Vous comprenez, Brian, maintenant? Donc, le puissant de l'équipe de la main. Donc, c'est-à-dire que s'il se met debout. Oui. Alléluia! Mon mani, mon aîné, wa vita. Mouti, mon ira, calé, calé. Si le beau t'y colle, mon vita. Yesu ou kena kouti mou. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu nous aide. Vous savez, dans les langues, effectivement, aussi, quand on a la profondeur de la chose, soit en anglais, soit dans les hébreux, et tout ça, vous entendez, effectivement, vous sentez que là, vraiment, que la personne qui chante là, il comprend, il place, effectivement, il dit, mais c'est les plus grands. Donc, il dit, mais, et c'est lui qui connaît le combat. Il les connaît tellement. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est vrai. Il dit, il a tellement l'expérience qu'il possède même la tactique, la technique, le tout et la victoire. Nous l'avons. C'est Jésus, là. Et nous sommes appelés à aimer, à marcher avec. Pouvoir vivre pour lui, effectivement, sans tenir compte de ce que l'un ou l'autre peut dire de nous. Parce que cette relation est entre toi et lui. Et tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour lui, en fait. Alors, nous le remercions et nous le supplions de pouvoir nous permettre à ce que nous puissions être dans cette condition où il peut, il a la capacité de sentir vraiment cette liberté de pouvoir prendre le contrôle. Nous sommes souvent très résistants, en fait. Trop dans l'opposition, effectivement. Est-ce que je dois? Est-ce qu'il peut? C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tellement souple que le Seigneur lui-même vienne prendre le contrôle et qu'il agit. Si vraiment il agit, et comme il est dit dans les Saintes Écritures, que nous, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont vraiment des fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est quand même clair, hein? Donc, quand on nous dit que tous ceux qui sont conduits, là maintenant, on peut se poser la question. Parce que si vraiment je me laisse conduire par le Seigneur, moi je suis en paix. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Moi je suis en paix. En fait, on s'est créé des problèmes, des troubles dans la santé, dans tout, effectivement, parce que nous voulons toujours faire et nous voulons toujours avoir cela. Ça je veux être, je veux ceci. En fait, vous rendez pas compte qu'effectivement, que c'est à ce moment-là que vous entrez dans un combat. Parce qu'aussi longtemps que vous n'avez pas ce que vous désirez, vous n'êtes pas en paix. Vous savez, il y a des choses que... Vous savez, si nous pouvions, c'est tellement si simple. Un jour, j'étais quelque part. Et puis, j'étais aussi avec un frère, je crois que j'ai longtemps, je vous ai raconté cela aussi. J'avais besoin vraiment d'un appareil. Et cet appareil, ce n'était pas pour moi, pour faire un plaisir, comme les gens me disaient, non, c'était simplement pour l'œuvre de Dieu. Et je n'avais pas de l'argent. Et on est arrivé quelque part, effectivement. J'ai une personne, j'étais avec le frère, et on a trouvé un appareil, et le frère me dit, ça c'est un appareil très bien, et si tu as ça, ce que tu dois faire, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très bien, et puis je le regardais, le frère, j'ai dit, si le Seigneur le veut, moi j'aurai cet appareil. Puis je suis rentré, je ne suis pas tracassé. J'ai dit simplement, si le Seigneur le veut. Parce qu'il me dit, mais il m'a dit, ça c'est bon pour toi, effectivement. Je lui dis que si le Seigneur le veut, donc je l'aurai. Mais je ne vais pas me tracasser pour pouvoir dire qu'effectivement, j'ai absolument. Mais puisque tu me dis que c'est une bonne qualité, si le Seigneur juge que c'est une bonne qualité pour moi, pour ce qu'il y a dans mon cœur, et il va me donner. Mais moi, je ne vais pas me tracasser. Je suis rentré chez moi, oubliant, ne m'occupant plus. Moi, je m'occupais seulement de glorifier Dieu. Ce que je vous dis est 100% vrai et Dieu est vrai. Ça ne me tracassait de rien.
Mon problème à moi, c'est de pouvoir savoir si je le louais assez, si je l'aimais assez. Oui, frère, personne ne m'obligeait, mais c'était moi-même. Je l'aimais tant, je voulais vraiment qu'il soit glorifié dans ma propre vie. Je faisais ça pas pour faire que les gens voient, non, moi-même. C'était ma discipline, c'était ma façon d'être. Je m'exigeais des choses pour ce Dieu-là. Il fallait que ça soit comme lui veut. C'est comme ça que qu'un jour, j'étais allé. Et là, c'était pour étudier. Et bon, j'étais venu. Et puis, tout d'un coup, je ne lisais même pas la Bible. Mais j'avais simplement les syllabus que j'avais. Pour voir combien Dieu, même si vous avez les syllabus, il est toujours présent. Amen. Ça dépend de votre position. Votre position. Non. Ne trouvez jamais des excuses pour vous-même. Vous vous détruisez en fait. Pendant ce temps que j'étais là, syllabus, et puis la présence divine de Dieu vient sur moi. Et alors, comme toujours, quand ça arrive, je m'incline. Alors il me dit, lève-toi, prends toutes tes affaires et pars d'ici. Mais là, ça a été un peu compliqué. Je ne désobéis pas. Mais humainement, c'est devenu un peu compliqué. Tu venais d'arriver, les gens ont vu qu'effectivement, c'était ça pour tes études. Et puis, immédiatement, on te dit, lève-toi. Je n'ai pas dû se quitter. J'ai dit, Seigneur, j'obéis, je prends mes affaires, je sors. Et les gens me disent, mais oh, tu viens d'arriver et tu repars. Pour ça, tu dis, non, non. J'ai dit, pardonnez-moi, mais je ne sais pas vous expliquer. Et je suis sorti. Alors, je suis sorti. Dieu que je sers, mettez-moi, il est vivant. Je lui dis, Maître, Seigneur Jésus, je suis dehors maintenant. Il y a un chemin ouvert devant moi, ici à droite, en face de moi. Et ici à droite, il y en a. Et puis ici, à gauche aussi, il y en a. Je suis au milieu. Où veux-tu que tu ailles, que j'aille? Parce que tu m'as dit, sors, je suis sorti. Où veux-tu que j'y aille? Parce que moi, je ne savais pas ce que je devais faire. Là, ce n'est plus une voix qui me parle pour me dire, sors, non. Je sens comme quelqu'un qui me tient et qui me tourne comme ça. Tourne comme ça. Puis je suis tourné. Puis quelqu'un qui me pousse d'aller de l'avant. Et j'ai commencé à aller. Parce que je savais que c'était lui. J'ai commencé à aller, avancer. Je ne demandais pas, je ne posais plus de questions. J'ai allé. Et puis, en me faisant ceci, j'arrive jusqu'en face. Il y avait un portail. Et puis, c'est comme si on prend ta tête comme ça. On l'incline. Et puis j'incline, je dis, mais il y a quelque chose ici, qu'est-ce qui se passe là? Donc, comme inclinant, je vois un carton. Le Dieu que nous servons, il est précis, il est merveilleux. Je vois un carton, et puis quelque chose me dit, mais prends ce carton. Parce que de toute façon, c'est abandonné là. Je prends le carton. Il est vraiment vivant. Alors, j'ouvre le carton. En ouvrant le carton, j'ai vu exactement le même appareil, la même marque que j'avais dit là. Mais je n'avais pas cherché à pouvoir dire, ah, mon cœur. Non, moi je me préoccupais, c'est important, je me préoccupais simplement de Dieu lui-même. De prier, de chanter pour sa gloire, sans dire, Seigneur, je te chante comme ça pour que tu puisses arranger, que je puisse avoir cet appareil que je n'avais jamais. Ce n'était pas dans ma pensée. Simplement, je m'occupais de lui, de ses affaires, effectivement, des frères, de tout ce qui était, qui venait parce que je priais pour les gens. Oui, c'est tout ce que je faisais. Mais pendant ce temps-là, lui s'occupait effectivement de ces problèmes que j'avais même pas à la pensée, hein. Mais simplement, il a vu le désir dans mon cœur que la chose convenait, et puis il m'a ramené, et puis je regardais, c'est exactement la chose que je voulais. J'ai dit, Dieu d'Abraham, tu es vraiment vivant et présent. Parce que tu nous donnes, selon notre désir, mais qui soit en fonction de ta parole à toi. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous avez suivi? Amen. Je vous ai dit bien que je n'ai jamais eu à pouvoir dire faux, mais il est faux, mais il est faux, parce que je voulais me pendre s'il n'a pas, je n'ai pas cet appareil-là. Non, pas du tout. Et puis quand on m'a dit que ça te conviendrait bien, je ne suis pas là commencé à voir dormir. Ah, il me l'a faut, c'est à passer, ça me convient très bien, ça me convient très bien. C'est inutile. Cela montre que Dieu n'est pas en vous. Ce qui est important pour vous et moi, c'est de pouvoir d'abord, et ça, j'ai toujours eu à pouvoir vous le répéter, frères et sœurs, vous êtes ce que vous êtes et vous produisez ce que vous êtes. Amen.
Et si vous êtes de Dieu, il y a une chose qui sera vraiment visible, c'est l'obéissance. Sans forcer, sans hypocrisie, avec des théâtres qu'on nous fait. Moi, je vois bien un théâtre. Quelqu'un, parce qu'il veut, il veut obtenir ces choses-là, il va faire ça, il va bien arranger les plans pour obtenir. Tout ça, vous vous perdez vous-même. Frères et sœurs, soyez justes. Soyez sincères. Soyez honnêtes. Soyez vrais. Parce que Dieu que nous avons et que nous servons, c'est pas un Dieu qui peut vous priver quelque chose qui soit important pour votre vie ou votre destination. Frère, je peux vous dire une chose. Que sur cet état, il n'y a pas une chose qui soit plus importante pour toi et moi. Sur cette terre. Il n'y a pas une chose qui soit importante pour toi et moi, si ce n'est le salut. Est-ce que vous avez compris? Quelle est la chose qui soit importante pour toi? Vous savez, Siméon, il n'a pas vécu pour qu'effectivement qu'il puisse arriver à pouvoir faire 100 ans sur la terre et prendre plaisir. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Non, non, non. Siméon, il a vécu pour une chose. Il dit toute sa vie entière, il attendait ce que Dieu lui avait dit. Ce n'était pas qu'il attendait des châteaux, qu'il attendait que Dieu allait faire beaucoup de miracles dans sa vie. Non, une chose qu'il attendait, pour laquelle il vivait. C'est pour ça que quand il a été conduit, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, ne prolonge plus ma vie. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Regardez-vous ce que vous êtes, mon frère, ma soeur. Mariage et casserole et ceci et cela. J'ai dit, vous avez pris de mauvaises directions. Eh bien, et c'est vrai, frère, c'est parce que ce que vous allez avoir dans la suite des temps, frère, ça, c'est ce que vous cherchiez. Cet homme, sa vie à lui, n'était pas autre chose que c'est ce que Dieu a eu à pouvoir lui dire. Il n'a pas dit, alléluia, maintenant glorifie-toi, que je prolonge encore mes jours, que je puisse avoir 200 ans ou 300 ans encore. Il dit, non, 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 non. Maintenant, ton serviteur permet qu'il s'en aille. Est-ce que vous comprenez? Permet qu'il s'en aille en paix, parce que mes yeux à moi ont vu. Est-ce que toi, frère et sœur, toi frère, toi sœur, effectivement, vous qui me regardez, qui m'entendez, vous entendez ce que je vous dis ici, effectivement, est-ce que vous pouvez être à ce stade-là? Ne vous répondez pas, s'il vous plaît. Sinon, vous allez mentir et pécher. Les motivations que vous avez, les aspirations profondes, vous en savez très bien. Tout le combat que vous faites, effectivement, pour avoir atteint le projet si inutile que ce soit, ça vous le savez quand même vous-même, au plus profond de vous. Je n'ai pas vu un frère ou une sœur, effectivement, aussi. Et vous m'écoutez bien. Nous allons lire dans les Hébreux. Nous avons un peu de temps. Un frère ou une sœur qui se lève, qui se met à genoux ici, je donne un exemple, mais qui vient peut-être en s'équipant dans la main, qui dit, Seigneur, aussi longtemps je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, ne me laisse pas aller. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, vos aspirations, il faut ceci, il faut ça, de grands projets, des grands projets, mais vous mourrez, vous allez en enfer. Hein. Personne ne peut se mettre ici, on le voit ici avec des larmes, Seigneur. Oh, après la réunion, Seigneur, il me faut le Saint-Esprit. Non, c'est mariage. Mais vous allez avoir tout ça et vous finirez par quoi? Réfléchissez, ne fût-ce qu'un plus, même si je suis, oh, c'est, il est mauvais, il n'y a pas de problème, j'accepte, mais réfléchissez un tout petit peu en tant qu'homme. Vos aspirations et tout ça, effectivement, que vous avez, effectivement, il y a même, si cela était ainsi, qu'effectivement, vraiment, vraiment, Seigneur, j'aime Jésus de tout mon cœur, on verrait vos genoux ici. Vous n'allez même pas vous supplier pour venir à l'assemblée, on verrait vos genoux ici, frère et sœur. Oh, mais je l'ai fait à la maison, mais même quand vous savez, quand vous êtes à la maison, vous le faites, vous venez ici, on le sent. Et après la prière, après la réunion, on sent que la sœur a décidé de voir partir parce que ça l'a saisi quelque part. Elle veut d'abord prier davantage, effectivement. On sent qu'elle aspire à quelque chose. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, tu sors.
les magasins, les ceci, baptise du Saint-Esprit. Mais tu, qu'est-ce que tu donnes le temps à ces dieux en question pour que ton esprit, ton subconscient, ta mémoire et ton cœur cherchent effectivement. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu le fait. Vous vous souvenez dans les scènes, vous me regardez s'il vous plaît. Vous vous souvenez dans les scènes écritures, les disciples sont allés où? C'est faire du shopping? Non. Ah, que Dieu nous aide. Nous jouons beaucoup avec les choses de Dieu. Hein? Mais j'ai dit, vous pleurez un jour, frère Zah. Et ces hommes-là, ces femmes-là, 120. Et ils sont allés fermer, ils ont fermé, ils étaient là. Pourquoi dans la prière? Parce qu'ils étaient quand même, on va aller faire le shopping. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas faire ce shopping. Hein? Mais ils étaient là, accrochés à la parole de Dieu. Là, priant, cherchant, parce que quelque chose était important qu'ils attendaient. Quelle est donc ta position aujourd'hui? Et quand nous terminons la réunion, qu'allez-vous faire? Ben vous savez, nous avons lundi, mardi, mercredi, on a effectivement des temps pour aller au travail. Bon, vous avez dimanche, effectivement, aussi. Je vous l'ai toujours dit depuis longtemps, depuis le début. Frère, ne prenez pas des rendez-vous avec quelqu'un dimanche. C'est le seul jour où vous pouvez vous tenir avec votre Dieu. Le jour que vous devez donner votre Dieu. On termine ici. Vite, je vais rentrer à la maison. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas ne pas rentrer. Si, vous pouvez rentrer. Je me dis, mais c'est dimanche. Moi, je reste à l'assemblée. Je vais voir mes frères, manger avec mes frères. Mais après, je reviens quand même. Je dois donner du temps. Parce que dans la semaine, il y a toujours l'air de travail, ceci. Oh, dans notre pays ici, les dimanches, c'est un jour férié. Vous comprenez? Donc, effectivement, moi, je dois être dans la maison du Seigneur. Je dois quand même saisir, quand même s'il faut encore 2 heures ou même 3 heures encore, mais pas pressé de pouvoir rentrer, parce que je suis toujours pressé dans la semaine. Mais dimanche, je dois quand même être là. Est-ce que vous comprenez? Je sais que ça ne vous plaît pas, frères et sœurs, mais c'est important que vous l'entendez pour que vous sondiez vous-même. Afin de ne pas être dans l'attente pour du vide. Parce que vous attendez qu'effectivement un événement doit se passer, mais il faut que vous preniez part à cet événement. Ainsi que pour que vous preniez part, effectivement, vous devez être dans une condition dans laquelle vous sentez qu'effectivement, que, en tout cas, si cela devait arriver, pas de ma bouche, mais c'est que le Seigneur. Et puis nous allons rentrer. Et le Seigneur, dans le livre de Romains, chapitre 8, il dit à partir du verset 20, il dit, mais l'Esprit donc. Pas moi, mais l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, rend témoignage à votre esprit, qui fait de vous un frère, qui fait de vous un homme, vous comprenez, dans l'esprit humain. Il rend témoignage à votre esprit que vous êtes qui? Donc c'est pas moi. C'est-à-dire que l'Esprit doit rendre témoignage à votre esprit. C'est-à-dire que vous-même pas, parce que vous pouvez vous convaincre vous-même, mais l'Esprit doit rendre témoignage. Pour que l'Esprit rende témoignage de toi en tant que fils de Dieu. C'est pour ça, frère, ayez même pitié de vous-même quand même. Ayez pitié de toi-même, dis, mais pourquoi je fais souffrir mon être ici et que je reste toujours dans le vide? Pose-toi la question, pourquoi tu te bats pour des choses? Mais le Seigneur l'a dit clairement, il dit, mais à quoi ça te sert de gagner le monde entier? Qu'on te cite, grand nom, grand serviteur de Dieu, grand prédicateur ou grande femme de Dieu, regarde ceci et cela. Et puis quand à quoi ça te sert? Si toi, tu vois que dans ton intérieur, tu es vide. Je ne vais pas moi me perdre. Non, il faut que je sois sincère. Je dois être sincère envers moi-même. Je veux être sauvé. J'ai besoin du salut. Alors, je dois traiter durement aussi moi-même. Ah ben bref, que Dieu soit béni. Hébreux, chapitre 11, chapitre 1. Nous pouvons lire cela avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous levons pour la parole de Dieu que nous voulons lire ensemble avec vous ici. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 1. Voilà. Hébreux, chapitre 1, et nous disons le verset 1. Il nous dit, avant de pouvoir lire cela, merci beaucoup mon précieux frère qui m'a rappelé avec ceci. Nous avons la joie et notre Seigneur nous a accordé des dons ici, effectivement aussi. Nous avons notre frère, donc le docteur Daouda, notre frère Emmanuel, donc ceux qui travaillent dans l'informatique, qui ont eu à pouvoir avoir l'inspiration de pouvoir avoir, mettre sur pied un programme, un site qui est pour vous, effectivement, qui est dédié simplement à la musique, effectivement, aussi. Donc tous les cantiques, que ce soit individuel, que vous chantez ici, ont été donc repris. Et comment, et ça doit être repris dans tout cela. Ils ont commencé.
Tout à l'heure, quand vous allez terminer, effectivement, la réunion, ne partez pas. Ils vont vous faire donc la projection, vous montrer que chacun de vous, frères, sœurs, enfants, tout ça, tous les cantiques que vous chantez, et même tous les cantiques, effectivement, de l'ensemble, tout ça, les autres, donc tout ce que vous pouvez retrouver comme répertoire des cantiques, ils ont fait ces sites-là. Alors, c'est le vôtre. Prenez le temps de pouvoir, effectivement, ils vont en étoffer encore avec beaucoup de cantiques à l'ancienne mode et tout cela, effectivement, vous pouvez vous retrouver encore, même avec les recueils de l'ancien temps, vous retrouvez là-dedans, effectivement. Et vous, chaque, parce que c'était important pour moi aussi, et je remercie Dieu, parce que je voulais que chaque frère, chaque sœur qui devient de vous, qui chante, effectivement, il faut que les souvenirs soient gardés. Et que les autres aussi aimeraient bien entendre telle sœur qui a chanté, telle sœur ou tel frère, effectivement. On voudrait bien, effectivement, que le don que Dieu a placé dans chacun de vous soit aussi bénéfique aussi pour les autres. Alors, ils vont vous montrer cela. Hébreux, donc, chapitre 1, verset 1, il dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant donc toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis donc à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. » Nous voulons te dire merci, Père, de ce que tu es le roi qui nous conduit, qui est le Seigneur, qui nous éclaire encore davantage. Et merci encore pour cette bonté que tu nous manifestes, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Père Saint-Dieu, parce que tu es un Père pour nous, mon Sauveur. Quand tu nous vois avancer dans une voie qui n'est pas bien, tu nous ramènes effectivement dans la voie droite, mon Sauveur. Tu as dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas s'égarer, Père. Or, avec toi, nous sommes toujours dans la lumière, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Cet après-midi encore, nous voulons te dire merci pour la lecture de ta parole à toi, Père. Combien nous sommes heureux quand nous entrons dans les choses que tu nous as données, Père Saint-Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, mon roi, que tu fasses asseoir ta parole à toi dans nos cœurs, dans nos âmes, Père, afin que nous apprenions à pouvoir t'aimer, te servir encore davantage, plus que on était à l'époque, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Ta parole à toi est une lumière sur notre sentier. Sois béni, Père, et pardonne-moi, Père, soutiens-nous, car j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Comme nous le lisons, effectivement, ici dans les Saintes Écritures, dans ce livre que nous avons pris par la grâce du Seigneur, et c'est toujours le premier verset auquel c'est toujours frappant, et ça doit être aussi, malgré qu'on l'a lu à maintes reprises en réalité, mais nous devons toujours, effectivement, aussi revenir pour que l'attention de tout un chacun de nous soit vraiment attirée, pour que chacun de nous réalise en réalité ce que vraiment Dieu fait. Pas ce qu'un homme veut faire montrer que voilà ce que nous allons faire, non, que Dieu lui-même montre effectivement dans son programme ce qu'il est en train de pouvoir faire. Voyez-vous, c'est vraiment nécessaire. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Vous savez, les appelés sont nombreux, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre, qui peuvent arriver à pouvoir être attachés à quelque chose, effectivement. Mais tandis que les élus sont très, très peu nombreux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit aussi dans les Saintes Écritures. Alors, vous remarquerez très bien, effectivement, que quand le Seigneur parle en réalité, il faut toujours faire très attention de réaliser, de remarquer, mais pourquoi et pour qui il met l'accent sur certaines choses, effectivement. Lorsque il parle, effectivement, lorsque sa parole est exprimée, et quand bien même il entre, effectivement, en scène, on se pose la question de pouvoir savoir, mais pourquoi est-il vraiment venu dans ce monde, en réalité? Parce que si nous regardons, en fait, en réalité, depuis la Genèse, nous comprenons qu'effectivement, que Dieu lui-même, et ça c'est merveilleux, de tout son cœur, son élan, a eu les désirs de pouvoir créer, en fait. Et ça c'est parce que, en lui, il avait donc cette nature, cet attribut, en fait, de créateur, c'est-à-dire qu'il est le seul qui a la puissance d'amener à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Et quelque chose, effectivement, que ni toi, ni moi, on peut même arriver à pouvoir penser. Parce que c'est lui qui a fait que nous existons. Donc, effectivement, on ne peut pas avoir la pensée de Dieu, effectivement, parce que c'est lui qui a sa pensée. C'est ça que nous devons comprendre, effectivement, que nous lui devons vraiment 100% du respect.
On ne peut pas arriver à pouvoir parler de Dieu ou ça m'a dit, exprimer des choses à son endroit avec une manière désinvolte, effectivement, ou d'une manière irrespectueuse, effectivement, à l'endroit de Dieu. Parce que tout ce qui est arrivé à l'existence, effectivement, est venu par lui, en fait. Donc, il n'y a personne qui lui a donné les conseils pour pouvoir arriver à pouvoir dire, mais fais ceci ou fais cela. Non, lui-même. Donc, tout ça en lui. Alors, nous voyons qu'effectivement, que dès le départ, effectivement, c'est lui qui a eu ses désirs, effectivement, de pouvoir créer. Donc, créer les cieux et la terre sans conseiller. Il a déployé tout ce qu'il devait déployer, effectivement. Et puis, les étoiles, tout, effectivement. Et c'est lui-même. Il dit aussi que faisons donc l'homme à notre image. L'homme ne l'a pas dit. Personne ne peut dire, mais c'est lui. Donc il n'y a pas effectivement un ange qui était là qui pouvait penser qu'il faut qu'un être humain existe en fait. Parce que la seule chose qu'il pouvait simplement penser, voir, c'est leur nature effectivement. Archanges, c'est vrai que les anges sont là effectivement. Ainsi donc, il dit que nous sommes comme ça et nous sommes des êtres qui seront toujours comme ça avec lui effectivement. Mais personne. Même la création que Dieu a fait, parce que la Bible dit effectivement que Dieu créa les cieux et puis les êtres et la terre. Donc effectivement, ils étaient dans les cieux, donc dans cet environnement aussi glorieux, ils ne pouvaient jamais penser qu'il y aurait quelque chose d'autre comme étant la terre. Parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Ils ne connaissaient même pas. Et même dans leur pensée, effectivement, ça ne pouvait même jamais exister. Ni l'arbre, ni la lumière. Non, ça ne pouvait pas. D'où pouvait-il venir? Parce que c'est Dieu qui crée et c'est Dieu qui donne la pensée. Donc, c'était lui qui était le maître, effectivement, le concepteur. Ah, j'aime cela quand Abraham dit, mais la cité dont Dieu est l'architecte, les concepteurs, l'architecte et l'achèveur, bien sûr que cela. Donc, personne ne peut avoir cela dans son esprit. Donc, effectivement, quand il a commencé à pouvoir, effectivement, aussi manifester la création, donc, le monde, effectivement, visible que nous voyons, effectivement, aussi, là, c'était aussi l'étonnement. Alors, je crois que c'était l'admiration, en fait. Il dit, mais où étais-tu quand j'ai fondé la mort, le monde, la terre, le monde, évidemment. Vous vous souvenez, dans Job, effectivement, quand le fils de Dieu criait des chants, vous vous souvenez cela, non? Donc, tout cela, effectivement, donc, c'était l'admiration de voir que cet être-là, nous pensons que ça s'est limité à ici, mais il a encore une très grande puissance. Illimité. Et là, il crée des choses que même leur imagination ne peut pas voir. Il dit que les cieux soient, effectivement, il a fait, il dit, mais que la terre soit, et tout cela sort, effectivement, les arbres, les animaux, les ceci, oh, que Dieu soit béni. Donc je crois que tous ils étaient dans l'admiration de voir la grandeur de cet être, effectivement, qui avait tout. Et évidemment, comme la Bible nous fait savoir, effectivement, c'est cela que nous ne prenons pas conscience, effectivement, qui dit, mais tout a été créé par lui. C'était qui dans Colossiens chapitre 1, verset 15, effectivement. Tout a été créé, tout existe par lui, mais tout a été créé et tout se dit en lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tout subsiste en lui. C'est-à-dire que l'arbre, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de ce qu'il a dit. L'eau, effectivement, les étendues, la terre, donc c'est-à-dire que c'est de lui, en fait, que les choses sont sorties. Est-ce que vous avez saisi? Donc, effectivement, il l'observait, effectivement, de voir, effectivement, donc il n'y en avait, parce que parmi eux, aucun ne pouvait avoir une puissance. Parce que le pouvoir que peut détenir un ange ou je ne sais pas, ne vient que de Dieu. Satan n'a pas, je répète bien, Satan n'a pas le pouvoir. Parce que l'auteur du pouvoir, est-ce que vous me suivez bien? L'auteur du pouvoir, c'est lui. Donc c'est lui qui donne. Donc, toi, tu dois agir comme ça, toi, tu dois agir comme ça, tu dois agir comme ça. Vous avez la mienne, hein? Eh bien, c'est lui. Donc, quand il donne une autorité dans l'action qu'il faut. Donc, moi, je ne peux pas arriver avant de parler. Moi, j'ai le pouvoir. Mais j'ai le pouvoir. D'abord, je ne sais même pas ce que c'est que le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, effectivement, c'est lui qui donne, effectivement, ainsi. Alors, c'est comme ça qu'il pouvait simplement observer parce qu'il n'avait même pas la capacité d'amener quelque chose à l'existence. Pas possible, parce que, bon, cela n'était même pas en eux. Donc, il n'était que dans l'admiration de voir cette autorité qui s'est déployée dans ça. C'est pour ça qu'ils ont la crainte de Dieu. Vous savez que même cet archange qui est devenu Lucifer et tout ça aussi, mais il sait, la peur de Dieu est dans lui.
Mais bien sûr, mon frère, ce sont les hommes qui les rendent fous, qui disent Dieu n'existe pas, on peut se permettre. Non, pas du tout. Lui, il sait. Mais bien sûr qu'il sait. C'est parce qu'il avait dit, mais lui, il sait effectivement qu'avec ces dieux ici, tu dois avoir des limites. Ah ben oui, parce que Dieu peut les détruire en un instant et changer tout, effectivement. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc ils comprennent, donc c'est absolument important de dire. Donc ils pouvaient voir effectivement. Mais alors ce qu'il faut que nous faisons comprendre effectivement, donc quand ils déployaient toutes ces choses-là, ils le voyaient. Ils voyaient tout parce qu'ils disaient, mais Dieu vit que cela était bon. Et c'est le deuxième jour qu'on a insisté effectivement. Jusqu'à ce que donc Dieu a eu à pouvoir maintenant atteindre le summum, comme vous l'avez entendu. Et il a amené donc l'homme à l'existence. Et même en l'amenant à l'existence, ils ne pouvaient pas comprendre. Et pour eux, ils étaient des êtres supérieurs. Bien sûr, dans les cieux. Et l'homme était sur la terre. Donc effectivement, bon, un être qu'on a vu, effectivement, comment est-ce que Dieu a eu à pouvoir l'amener à l'existence, effectivement, formé à la terre, effectivement, et puis il souffla, vous connaissez cela, non? Dans le livre de Genèse, effectivement. Donc, et puis on a vu qu'effectivement, que comment les jardins étaient, et puis l'homme a commencé à évoluer là-dedans. Ils ont vu cela, effectivement, aussi, d'une certaine manière. Bon! Lorsque l'homme aussi a chuté, ils ont vu aussi la tristesse de Dieu, effectivement. Bon, c'est-à-dire qu'une fois que l'homme a eu pouvoir atteindre ce niveau-là, de passer effectivement d'avoir quitté la position que Dieu l'avait donnée sur la terre. Vous connaissez cette position, non? De Dieu sur la terre et de dominer, parce que cet homme pouvait dire ce qu'il voulait et les choses seraient étendues. Alors il quitta cela. Alors il était devenu inutile. Est-ce que vous comprenez? Il était devenu inutile. Quelle utilité encore? Alors là, c'est sûr et certain que Dieu, voyant effectivement qu'il est arrivé à ce stade, il s'est passé ainsi, il pouvait maintenant, écoutez bien, décider de pouvoir lui-même détruire. Donc détruire l'homme tout entier, donc tout parfaitement, donc détruire tout et recommencer. Vous dites, mais frère, est-ce que Dieu voudrait penser ceci? Je vous pose la question, frère. Quand il était avec Moïse, effectivement, le peuple d'Israël, lorsque Moïse avançait, évidemment, ce peuple murmurait toujours, effectivement, qu'est-ce qu'il a dit? Moïse, écarte-toi, je vais tous les détruire. Et puis même, voyez bien, au temps de Noé. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai. Mais si, 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 monsieur. Il avait la capacité de voir tout détruire et recommencer à zéro. Vous voyez, frère, personne ne vous, ne peut manquer du respect à Dieu, ni penser qu'il peut donner un conseil à Dieu, ni penser qu'il peut lui expliquer, alléluia, ni dire effectivement que je suis dit que les choses. Personne, mon frère, parce que vous ne pouvez pas atteindre le niveau de Dieu, mon frère, parce que ce que Dieu fait, tu ne le sais pas. Il pouvait le faire. Ah oui, bien sûr. Au moment où Adam a chuté, il pouvait le faire. Parce que je crois que les anges attendaient cela, disent, mais puisqu'il fait des choses parfaitement, mais il a failli se dire, bah, paf, bouf, on le détruit, effectivement. Et bien, il les détruit lui-même, et puis il recrée encore un autre, effectivement, qui met tout cela, effectivement, dans la voie, effectivement, ainsi de suite. Mais regardez très bien, frères et sœurs. Humainement parlant, on pouvait le faire. Et quand on pense, effectivement, sur nous, les créatures, en fait, de Dieu, on peut penser que, voilà, donc, ça passe comme ça, comme ça, comme ça, et puis arrivé là, Dieu va broyer, effectivement, il va détruire, effectivement, ainsi. Donc, en fait, dans la façon de pouvoir voir les créateurs faire, on sait qu'il doit faire ceci. On peut donner un conseil, mais il dit, mais tiens, Seigneur, on a vu comment c'était parfait, mais là, maintenant, on l'a rendu parfait, il faut détruire. Et on lui dira ça, on lui dira, mais détruis parce qu'on connaît ta puissance. On sait ce que tu es, effectivement. Occupé comme toi, effectivement. On a vu comment tu nous as créé. Et tu peux recommencer, effectivement, aussi, à voir l'œuvre parfaite, sans rater. Oui, on peut lui dire cela. Parce qu'on a vu, effectivement. Mais vous ne savez pas qui est Dieu. C'est ça le grand problème, mon frère et ma soeur. Jusqu'aujourd'hui, vous aussi, frère et soeur, vous ne savez pas qui il est. Nous apprenons à le connaître, mon frère. C'est pour ça que personne ne peut s'attaquer et dire non, ça doit être comme ça. Non, monsieur. Parce que Dieu n'est pas limité. Il est plus sage que toi, tu ne peux l'imaginer. Les anges se sont trop dit, mais ce n'est pas possible. Refait, non. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que Dieu n'avait pas échoué, monsieur. Gloire à Dieu. On a pensé qu'il a échoué. Gloire au Seigneur. Il est bon, mon frère.
Les anges ont pensé qu'il a échoué. L'homme a pensé qu'il a échoué. Mais Dieu n'avait pas échoué, monsieur. Gloire à Jésus. Alléluia. Il savait très bien quand il a créé, quand il a commencé, qu'il ne jouera jamais. Gloire à Jésus-Christ, mon sauveur. Oui, monsieur, apprenons à connaître Dieu, mon frère, dans notre vie de tous les jours. Ne t'abandonne pas ton orgueil à toi en pensant que tu connais Dieu, que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Non, monsieur, Dieu peut t'étonner. Je vous pose la question, mon frère. Est-ce que Judas savait qu'il était un fils du malin? Non, monsieur. Non, madame. Il n'était pas loin, Judas. Il marchait avec le Christ, le Seigneur là. Il mangeait avec lui. Oui, monsieur. Il se croyait aussi qu'il serait au ciel là. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. Prenons l'exemple encore. Lucifer. Il n'était pas, pouvait pas penser qu'un jour, non. Il était là, il mettait les sous à la perfection. Il dit, je serai le chef, je régnerai. Puis on dit, mais il m'appelle parce que Dieu est avec moi. Là, 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 là. Alléluia. Mais Dieu le regardait. Dieu savait. Il ne savait pas qu'un jour il serait Satan. C'est pour ça, ayez crainte, mon frère et ma soeur. Que l'orgueil ne t'amène pas. Moi, je suis, moi, je suis. Frère, ayez du respect pour la parole de Dieu. Considérez Dieu dans tout ce qui nous permet de pouvoir voir. C'est une grâce. Alléluia. Que Dieu vienne t'ouvrir les yeux. Frère, ma soeur. Mais toi, c'est vrai, mon frère et ma soeur. C'est une grâce extraordinaire. Parce que vous pensez connaître Dieu, vous ne le connaissez pas. C'est merveilleux de voir que il est l'autorité suprême. C'est pourquoi, comme je vous le disais aussi l'autre fois, nous avons entendu, mais pourquoi les démons s'agitaient devant ce Jésus? Ils ne savaient même pas qui il était. Mais quelque chose le faisait sentir quand il passait qu'il déployait une décharge. Mon frère, ma soeur. Donc quand il passait, regardez très bien d'ailleurs, vous pouvez vous imaginer tous ceux qu'il a, qu'il est considéré comme étant légitime, et puis évidemment, on dit aussi, ben, c'est quelqu'un qui est toujours contre les prophètes, c'est cela, de parler de Moïse, enfin à l'époque, vous comprenez bien, ils font bien, mais maintenant, alors c'était les pharisiens, c'est ça, il dit, mais il dit, et puis il le considérait comme un moins que rien du tout. Puis il dit, mais nous connaissons sa mère, nous connaissons son père, effectivement. Et puis on a même envoyé des gardes pour aller les prendre, parce qu'on prend, on saisit toujours, parce que les gardes sont l'autorité, non? Et regardez très bien que ces gardes sont arrivés, il n'en a même pas fait cas. Et il était occupé de pouvoir faire quoi? Mais de prêcher. Qu'est-ce qui a fait que ces gardes ne puissent pas voir la possibilité de voir les tenir en fait? Quand ils se sont approchés. Alléluia. Amen, amen. La décharge. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Satan, il est mauvais. Il vous ment tellement qu'il vous ment un mensonge. Il vous donne l'image que vous êtes là et que ceci n'a rien à voir avec toi. Tu es supérieur. Il sait très bien que ce qu'il y a là, il dit ça, c'est Dieu lui-même. Bon, vous allez peut-être douter, dire, mais frère, dis-nous. Mais n'est-ce pas que la Bible dit que, écoutez très bien, tu dis que toi, tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais il dit, les démons le croient aussi. Et qu'est-ce qu'on ajoute? Et ils tremblent. Vous me suivez, frère? Donc, les démons tremblent. Parce qu'ils savent ce qu'il y a là comme puissance et comme autorité dans ces idées. Regardez très bien. Les jours où l'apôtre Paul a prêché l'évangile, effectivement, tout ça, ainsi de suite. Puis les sept filles de Sheva, vous connaissez cela? Qui eux n'avaient même pas réalisé qui était Jésus le Christ. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que bon, dit, bon, comme les autres, ils répètent, nous, si on va aussi répéter, effectivement, aussi, il y en a. Et ils sont venus maintenant, là, à ce moment-là, ils disent, bon, pour prouver aussi que nous avons aussi la puissance, mais c'est bien. Et, bon, et puis ils ont bien dit comme ça, au nom de Jésus qui est Paul prêche. Entendez cela? Nous vous ordonnons de quitter
Et ses corps, effectivement, aussi, ainsi de suite. C'était quelqu'un qui était un fou possédé par des démons. C'est-à-dire qu'il était, on dit, sans contrôle. Vous vous souvenez? Alors, ils se sont étonnés de voir que les démons, hein, qui a possédé cet homme-là, l'homme ne pouvait pas contrôler, effectivement, et ces démons s'arrêtent. Il va sortir, le démon s'arrête. Il les regarde. Frère, nous pensez à cela. Un démon qui les regarde, qui leur dit, Paul, je le connais. Alléluia. Les démons, mon frère. Les démons, mon frère. Il dit, vous avez cité le nom de Paul. Il dit, bon, Paul, là, je le connais. Je connais la décharge qu'il a aussi, lui. Ah ben oui, c'est vrai, mon frère. C'est la vérité, mon frère. Ah oui, 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 oui. Il dit, mais Jésus, je le connais aussi. Mais vous, vous venez de qui? Mais vous êtes avec nous ici? Mais bien sûr, mon frère, parce que si vous n'avez pas quitté, vous avez des démons en vous. Amen. Donc, il dit, mais vous ici, mais dit, mais vous venez d'où d'abord? Paul, je connais. Et puis, il dit, mais vous, qui êtes-vous? Donc, ils sont devenus juste. Oh, les démons qui nous posent. Parce qu'il y avait des questions que les démons ont posées. C'était juste, hein? Maintenant, toi, qui es-tu? Parce que Paul, il sait. Il connaît sa position. Ah oui, il n'est pas venu comme un aventurier comme ça pour dire, oui, je parle de Jésus comme tout le monde parle de Jésus. Non. Il peut bien dire, mais dit, oh, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Vous vous souvenez? Oui, il m'est apparu. C'est Jésus que je combattais. Je l'ai vu. Il m'a parlé, il m'a envoyé pour prêcher l'évangile. Donc depuis qu'il m'a envoyé, il est avec moi. Paul savait où il en était, frère. Bien sûr que oui. Et puis, il me dit, et vous, qui êtes-vous? Donc, vous pouvez remarquer, frères et sœurs, qu'il n'y a aucune autorité dans les cieux et sur la terre qui ne reconnaît pas la puissance et l'autorité suprême de ce Dieu qui domine sur tous les esprits. Amen. Donc, soyez sûrs et certains. C'est pour ça la parole dit, mais si Dieu est pour nous, et qu'il est avec nous, eh bien, qui sera donc contre nous? Donc, vous comprenez effectivement que, on le disait effectivement que, là, effectivement, Dieu avait la capacité de pouvoir tout détruire, effectivement, et recommencer aussi la création, comme tout un chacun de nous pouvait naturellement, déductiblement, comme on déduit effectivement les choses, ça doit être comme ça. Donc, il pouvait les faire, mais pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas fait? Il ne l'a pas expliqué aux anges. Donc, parce qu'il dit, mais car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous dites, mais frère Léonard, tu nous emmènes en quoi? Bon, je vais vous montrer. Il n'a pas expliqué ça aux anges. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 11, je pense, verset 28. Il dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que toi, tu l'as voulu ainsi. Car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées. Personne ne connaît le Père si ce n'est pas les prédicateurs. Hein. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pas les prédicateurs. Non. Alléluia. Et puis si ce n'est celui à qui le Fils veut, est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça qu'il a posé la question. Qui dites-vous donc que je suis moi, le Fils de l'homme? Il était en fait le trouble de beaucoup. C'est ainsi qu'ils ont répondu comme ils ont répondu. Et quelque part, effectivement, il y en a un qui s'est levé, qui a dit, Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père
qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Maintenant, vous comprenez effectivement qui est Dieu et la manière dont il fait les choses. Parce qu'en fait, pour que toi et moi, nous comprenions les choses qui sont de Dieu, c'est absolument important, mon frère. Pour que toi et moi, nous comprenions les choses qui sont de Dieu, il nous faut la révélation. Et ce que vous comprenez, ce que c'est que la révélation, puisque je vous l'ai déjà dit ici, la révélation est la pensée exacte de Dieu au sujet de la parole qui a été prononcée. Est-ce que vous comprenez? Parce que comme mon frère m'avait dit, il faut peut-être expliquer un peu les choses pour que les gens comprennent, mais j'essaye. Alors, ce que derrière la pensée, quand je parle, pour que vous compreniez plus facilement aussi, quand je parle ici, derrière la pensée d'un homme normal, quand l'homme parle, il y a une pensée d'abord. Il pense à la chose et puis il l'exprime. Quand il exprime, il doit exprimer la chose dans son contexte qu'il a la pensée derrière. C'est pour ça que quand Dieu parle de quelque chose dans les Saintes Écritures, il exprime dans le contexte avec la pensée qu'il a exprimée et la parole qui est donc exprimée, effectivement, donc il y avait une pensée derrière. Et cette pensée dans le contexte dans lequel Dieu l'a fait. Maintenant, moi, je peux interpréter avec ma conception que la parole veut dire ceci. La parole veut dire cela. Mais comme je voulais toujours répéter ici, quand il s'agit de la parole de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu, en fait. Il a dit, vos voix ne sont pas mes voix, et vos pensées ne sont pas mes pensées. Avec votre instruction, avec votre assiduité dans les choses qui concernent Dieu, vous ne pouvez même pas connaître la pensée de Dieu. Vous pouvez lire la Bible, vous aurez simplement une déduction, une interprétation, une façon de pouvoir voir. Et d'ailleurs, comme je le disais encore, effectivement, aussi, un bon bout de temps pour que nous comprenions, je vais aller doucement si Dieu le permet. Vous pensez que vous avez la révélation des choses qui concernent Dieu. Or, quand Dieu vous révèle sa parole, vous ne pourrez jamais être conduit dans l'erreur. C'est 100% la vérité. Je le répète encore, une révélation que Dieu vous a donnée ne pourra jamais vous conduire dans... Non. La révélation, c'est pour que vous puissiez être conduit dans... Bien sûr. Si vous dites que vous avez reçu la révélation et que vous continuez à marcher toujours d'interprétation en interprétation dans l'erreur, ce que vous n'avez jamais reçu là. Prenons l'exemple de Paul. Il marchait avec les pharisiens sadducéens. Or, vous savez que les pharisiens étaient les disciples de Moïse. Vous le savez bien. C'est écrit dans Jean. Aux choses traditionnelles, effectivement, au domaine traditionnel, avec les traditions, effectivement, traditionnelles et tout ça, comme il l'a dit lui-même. Et qu'avez-vous remarqué, effectivement, s'il était sur le chemin de Damas, quand tu l'as reçu? Parce que, vous direz, mes frères, tu interprètes. Non, parce que dans Galates chapitre 1, il a dit, quand il a plu à celui qui m'a mis à part, et pour me révéler, donc. Et son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Parce qu'il nous dit bien que ce n'est pas révélation. L'évangile que je vous ai dit, ce n'est pas révélation. Donc ce jour-là, l'homme a quitté effectivement le sentier de l'erreur. Il n'est plus jamais retourné vers les pharisiens et tout ça. Parce que si vous remarquez très bien, frères et sœurs, considérez bien la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre bien. Nous allons revenir par les Hébreux, on a lu tout à l'heure, c'est important qu'on rentre dans les Hébreux plus importants. Il dit, mais écoutez bien, cet homme de Dieu ici, quand il prend les Saintes Écritures, et que maintenant, on compare maintenant l'ancien Paul qui était toujours, Moïse a dit, parce qu'il était pharisien, c'était comme ça, le nouveau Paul. Dites-moi, combien de fois Paul a-t-il mentionné Moïse dans sa prédication? Lisez la Bible, parce que vous pouvez comprendre, effectivement, mais combien de fois s'est-il référé effectivement à Moïse tout le temps dans ses prédications, effectivement, ses écrits?
Enfin bon, bref. Le remarquez très bien. Donc, la révélation ne peut jamais vous conduire dans l'erreur. Ni dans l'idolâtrie, ni dans ces siestes-là. Non, monsieur, la révélation vous ramène puissamment. Amen. Dans l'amour profond de ces dieux, parce que il t'a révélé la chose, effectivement. Et jamais tu peux partir, ni à gauche, ni à droite. Parce qu'il te donne, effectivement, aussi la pensée, la clarté, effectivement, dans les choses que lui-même a eu à pouvoir, effectivement, aussi, à prononcer, effectivement, dans cela. C'est comme cela que nous revenons dans les livres des Hébreux, comme je dis, effectivement, au chapitre 1 que nous avons déjà lu. Regardez très bien, et très bien, et très bien. Prenez pas que ça soit bon, on nous lit tout va, tout va partir, puis on va entendre. Mais regardez très bien, frère. C'est très important pour nous tous. Il nous dit ici, c'est dans les livres des Hébreux, et cet Hébreu, c'est pas moi qui écris, c'est le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit. Il nous dit ici, verset 1 dit, après avoir autrefois, est-ce que vous entendez? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on nous dit autrefois, c'est vraiment dans le passé lointain. Et on nous a montré, effectivement, aussi, une chose, après avoir autrefois, et bien, très bien, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Et je reviens là parce que nous entrons aussi dans ce sujet concernant les ministères, vous vous souvenez. Donc, après avoir autrefois, quand même si c'était quand même quelque chose qui était toujours continuellement présent, qui rentre dans la succession de tous, dans la suite des temps, on n'aurait jamais utilisé autrefois. C'est ça, alléluia. Parce que nous disons que Dieu a toujours parlé à nos pères par les prophètes. Et dans ce sens, il continue à nous parler aussi par. Est-ce que vous me suivez? Mais on nous dit, maintenant on a dit, mais autrefois. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on l'a mis dans le passé. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas l'IFC. Alléluia. Ça, ce n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Et Dieu te bénisse. Et j'aime cela. On dit bien autrefois, frère. Que cela rentre dans vos cœurs et vos pensées. C'est pour ça, vous ne devez pas marcher selon les hommes, marcher selon le Saint-Esprit. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, connaissez Dieu, mon frère. Il dit autrefois. Donc, c'est lui qui a décidé de autrefois là. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un homme, ce n'est même pas un prophète qui a décidé. Dis donc, Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas dire à Dieu? Tu commets des erreurs, effectivement, tu ne sais pas, comme je dis à la création. Dieu ne commet pas des erreurs, monsieur. Dieu ne se trompe jamais. Que son nom soit béni. Il est infaillible, monsieur. C'est pourquoi il dit autrefois ce qu'il sait, ce qu'il dit. Et ça, donc, ça dit que tous ces paquets-là, on les place dans le passé. Il dit, parlez à nos pères. Vous savez que... Dans l'ancien temps, tous ces hommes connaissaient vraiment Dieu. Et comme on parle effectivement en rapport avec les prophètes que Dieu a toujours eu à pouvoir utiliser, dès le départ, on les appelait les voyants. Vous connaissez cela? On disait toujours, allez, on va vers le voyant. Donc, c'est les prophètes, effectivement, ici. Alors, Dieu avait de moyens qu'il a eu à pouvoir établir pour parler et donner effectivement aussi aux hommes la lumière, effectivement, pour que les hommes sachent que c'est Dieu qui est en action. Dans l'Ancien Testament, il avait établi qu'il devait parler effectivement aux hommes par trois choses. Par trois choses. Et ces trois choses, effectivement, sont... Je veux dire, et il nous invente, nous allons les lire avec vous, dans 1 Samuel au chapitre 28. Verset 3. Et Samuel 28, verset 3 dit, Samuel était donc mort, le prophète,
Tout Israël avait pleuré, on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ce qui évoquait les morts et ce qui prédisait donc l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, un violent tremblement s'emparant de son cœur. Verset 6. Saül consulta l'Éternel. Il savait, non? Et maintenant, écoutez bien. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urim, ni par... Donc, c'était le moyen par lequel, comme vous pouvez le voir, que... Oui, Dieu pouvait répondre, en fait, au peuple, aux hommes, par l'urim, par les songes, et aussi par le prophète. C'est pour ça que vous remarquez ici, le verset, verset 12, il dit, non, verset 11, la femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa donc un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu ? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Et il lui dit, « Quelle figure a-t-il ? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Il était mort, hein? Depuis un bon bout de temps. Vous savez de cela? Et Saül comprit que c'était donc Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Vous savez? C'est impressionnant, non? De pouvoir voir un tableau comme ceci. Dieu l'avait permis pour une raison. Et puis maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Il dit, Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. J'étais appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois. Donc vous voyez que l'urim. Les songes et les prophètes, c'était le moyen par lequel Dieu pouvait montrer au peuple ce qu'il fallait faire et aussi répondre effectivement aussi. Mais vous voyez qu'effectivement, que dans la plupart du temps, c'était toujours tourné vers les prophètes. Auxquels le Seigneur a eu à pouvoir toujours utiliser. C'est pour ça que vous comprenez qu'effectivement que Dieu, notre Seigneur, a une sagesse extraordinaire dans sa façon de pouvoir faire les choses. Et c'est pour ça que quand nous lisons les Saintes Écritures, on doit vraiment faire très, très attention. Alors, là, nous pouvons comprendre qu'effectivement, que par ces moyens, Dieu pouvait arriver à pouvoir montrer effectivement l'urim, c'est-à-dire qu'effectivement, que la signification exacte, c'est la lumière, en fait. C'est quand on venait, qu'on pouvait arriver à pouvoir... Vous vous souvenez quand même? L'urim et Thummim, vous connaissez, non? Ok, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, vous comprenez qu'effectivement, que ce sont donc les moyens par lesquels le peuple pouvait arriver à pouvoir connaître ce que Dieu veut et ce que Dieu veut faire, effectivement, si la chose venait de Dieu, effectivement, ainsi de suite. Alors, les prophètes, c'était la voie que Dieu avait donc choisie pour que la parole soit exprimée, effectivement, au travers pardon, pour que le peuple puisse avoir connaissance des choses, ce que le Seigneur leur dit. Et la manière, c'est pour ça qu'ils viennent toujours avec les ainsi dit le Seigneur. Donc, c'est que, ce qui veut dire que là, c'est vraiment le Seigneur, donc, qui arrivait à pouvoir, donc, exprimer, donc, ce qu'il voulait exprimer, donc, au travers des prophètes. Et c'est comme ça que vous savez, effectivement, que c'est au travers d'eux que nous avons, donc, les écrits. Oui, Esaïe, Jérémie, c'est toujours ainsi par l'Éternel, qui a été donc écrit, effectivement, David lui-même, effectivement, ainsi de suite, d'une certaine manière ou d'une autre.
Alors, nous l'avons déjà eu, pouvoir entendre cela. Remarquez très bien, comme nous le disons tout à l'heure, effectivement, que Dieu, notre Seigneur, c'est vrai que c'était lui qui avait choisi ce moyen par lequel il a voulu parler à nos pères. Mais maintenant, lui-même, comme vous l'avez entendu là, il y a plusieurs jours, là, mais lui-même a pris cette décision-là. La décision vient de Dieu lui-même. Alors, qui peut contester avec Dieu? C'est important cela pour que nous puissions comprendre ce que nous allons écouter. Donc, qui peut contester avec Dieu? Personne. Parce que personne ne connaît les programmes de Dieu. Personne ne connaissait effectivement ce que Dieu allait faire. Est-ce que vous comprenez? Alors là, on s'était limité, là, humainement parlant, donc selon la manière dont nous sommes partis. Mais alors, Dieu nous a fait passer effectivement qu'il avait, nous l'avons entendu cela, qu'il avait une autre phase effectivement qui était en lui en réalité, mais que lui voulait le manifester. Et ça, c'était sa volonté parfaite effectivement de manifester la chose parce que nous avons eu à pouvoir voir de l'autre côté là-bas. Alors maintenant, remarquez très bien, nous avons lu avec vous dans les Saintes Écritures, et ça c'est aussi une phase qui est très importante en réalité, parce que ici, c'était aussi des ministères qui se manifestaient cela. Pourquoi? Pour donner effectivement aussi au peuple de Dieu ce que Dieu voulait en fait en réalité, pour le temps dans lequel ils étaient. Et vous voyez effectivement comment est-ce que les choses ici étaient donc ordonnées, effectivement, comment ces ministères étaient ordonnés. Il y avait donc, vous connaissez effectivement aussi donc la manière dont les choses se passaient dans les tabernacles, tous les ministères, les services effectivement avec des lévites. Et vous devez savoir une chose qui est très importante, les lévites étaient des familles différentes. Donc, il y avait des classes de lévites, effectivement, les uns comme ceci, comme ça. Donc, chacun savait effectivement où il pouvait se trouver effectivement dans le service. Donc c'était bien, effectivement, tous ces hommes, effectivement, qui le faisaient. Et il y avait un seul souverain sacrificateur qui était donc Aaron. Vous comprenez? Donc la classe d'Aaron, c'était une autre classe, et puis évidemment d'autres, effectivement, parce qu'ils sortaient effectivement des différentes familles, effectivement, de la famille de Lévite, mais bon, des différentes familles, effectivement, classes, effectivement, ainsi de suite, qui sont donc clarifiées là-dedans, classifiées là-dedans. Donc chacun faisait donc son service, effectivement, dans cela. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, je voudrais que vous compreniez cela d'une manière spirituelle. Il n'y a pas différentes classes là-bas qui opèrent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si oui, il y en avait. Mais là, non. Il n'y en a pas des classes qui opèrent. Parce que là, c'est un seul ministère. Et là, ici, Dieu a utilisé des voix, effectivement, pour parler au peuple. Vous avez entendu, non? Oui. Les prophètes, l'urim, effectivement, par les songes, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, là, Dieu n'utilise simplement qu'une seule voix. C'est important que vous suivez. Donc, un seul canal que Dieu utilise. Quand il veut réellement parler à son peuple et lui montrer effectivement des choses, effectivement, ainsi de suite, c'est un seul canal. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul. Amen. C'est pour ça qu'on dit, mais Dieu dans ces derniers temps, il est très bien. Je vais lire encore cela, Hébreux chapitre 1. Verset 1. Voilà. Voilà. Donc, il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et vous suivez cela, non? Amen. Donc, il nous a parlé donc par le Fils. Ce qui veut dire qu'effectivement, que la seule voix, écoutez bien, très bien, par exemple, la seule voix et la seule bouche autorisée. Ok. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen, amen, amen. Donc, la seule bouche amen. Autorisée de Dieu, amen. Par laquelle Dieu peut parler, amen. Ce n'est pas par moi, non. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre, non. Mais par le Fils. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une sœur qui a chanté ici. Tout est en lui, tout est en lui. Amen. La plénitude divine est tout en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tout, on ne peut pas dire que dans les prophètes tout était en eux. Jamais. Non, monsieur. Jamais. Amen. Amen.
Parce que quand on nous parle de lui, du Fils, parce que c'est la seule bouche autorisée, Alléluia. Mon frère. La vraie et la seule et l'unique. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Non, monsieur. Amen. 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 Parce qu'ici, on nous fait bien comprendre qu'effectivement, que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Plusieurs bouches ici. Amen. Oh, Alléluia. Le pluriel. Par les prophètes. Est-ce que vous suivez? Mais là, on nous dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Alléluia, singulier. Alléluia, pas par les fils, par le Fils. La seule bouche autorisée par laquelle nous pouvons entendre la voix de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on nous dit, effectivement, dans Romains, que tout homme soit reconnu pour gloire à Dieu. Et Jésus le connaît pour foi. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est nécessaire que nous comprenions, frère, le plan et les programmes de Dieu, pour que, parce que ce que Dieu veut, ce que Dieu cherche, effectivement, c'est l'unité de ce corps. Et nous avons suivi la prière. Quand il a prié, il dit une chose. Ah, que Dieu soit béni. Amen. C'est merveilleux, mon frère. Il est droit. Amen. Il dit qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Jésus et Dieu ne sont pas deux personnes. Non. Jésus et Dieu ne sont pas des esprits différents. Non. Non. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Amen. Un seul Esprit, une seule foi, un seul Dieu. Mais c'est vrai. C'est vrai. Amen. Alors quand il dit que toi et moi, nous sommes, comme toi et moi, nous sommes un, ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire en fait pour toi et moi? Parce qu'il veut dire, qui? Parce qu'il nous parle de nous. Il dit que de cette masse de rassemblement, effectivement, lesquels nous soyons, nous sommes effectivement, parce que vous savez... Les prophètes de ceci, les prophètes, vous connaissez, mais il dit que lui, il dit que nous, lui et le Père, nous soyons un comme lui, il est un avec le Père. Alors, c'est pour ça que nous comprenons que cette unité-là, vous me suivez, il a voulu nous démontrer cela, effectivement, d'une manière assez claire et précise. Quand on lui a dit, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Alléluia. Amen. Alors, il leur a répondu, mais il y a donc si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi me poses-tu cette question? Mais c'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu. Il a vu. Plus clair que cela. On n'a même pas besoin d'interpréter, on sait si, parce que ceci. Non, c'est tellement plus clair. Et comme vous le savez, celui que je vois ici, c'est mon frère Julliard, qui est assis là. Tu peux te lever. Il a des bretelles aujourd'hui. Vous le voyez? Bon, vous le voyez? Vous l'avez bien vu? Tout le monde l'a vu. Il a des bretelles. Et il s'est mis une cravate. Vous l'avez vu, non? Bon, maintenant, assieds-toi. Est-ce que, avez-vous vu la sœur Nicole? Non. Donc quand vous le voyez, vous n'avez pas vu la sœur Nicole? Non. Et pourtant, nous disons qu'ils sont un. Vous me suivez? Amen. Alors cette unité-là est différente. Est-ce que vous comprenez? Lui... Comme il est là, à moi qui... Non, pardonne-moi, mon frère. Bon. Il ne peut pas, dire, « Sœur, frère, vous m'avez vu ?» Il dit, « Quand vous me voyez, vous avez vu Nicole. » Vous allez dire, mais, « Frère, en tout cas, même si on doit avoir 500 lunettes sur nous-mêmes, il y a un souci. Peut-être qu'on doit prier pour toi, frère, parce qu'il y a un problème. » Je dis, « Mais sœur Nicole, on sait qu'elle est à la maison avec le bébé. » On te voit ici, toi, d'une certaine manière, on te voit, tu n'es que toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que nous comprenions. Quand le Seigneur a dit, c'est lui qui m'a vu,
a vu le Père, ce qui veut dire qu'il était le Père. Amen. Amen. Tu peux chercher à gauche et à droite. Amen. Chercher le Père, tu ne le verras pas. Amen. Tu vas tourner en rond, effectivement. Alléluia. Mon frère et ma soeur, alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et regardez très bien quand Saul, qui connaissait effectivement qui était le Père, donc Dieu, le Créateur, oui, il savait qu'il était la lumière. Amen. Il était instruit dans ces choses. Il dit, le vrai Dieu, il est dans la lumière. Amen. Et c'est lui, celui de Yahvé, là, c'est la colonne de feu. Je le sais, je le connais, c'est la vérité. Et puis, il voit cette lumière qui lui vient. Amen. La même qu'il a été instruit avec. Amen. Il pose la question. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Amen. Alléluia. Il a appelé bien Seigneur. Amen. 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 Il attendait, puis il n'a pas entendu, mais je suis Yahvé. Non. Alléluia. Non, messieurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, je suis Jésus. Gloire à Jésus. L'homme était troublé. Il dit, c'est pas possible. Hein? Mais si Jésus était mort. Gloire à Jésus. Il était mort. J'ai persécuté ses disciples. Alléluia. Il dit non, il n'y a que Dieu qui est dans la lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc si Jésus est Dieu, Amen, il est tombé par terre. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, depuis ce jour-là, la vie de cet homme a été changée. Amen. Donc, nous devons comprendre effectivement l'action et la manière de Dieu. Parce que dans ces temps de troubles, le diable est venu pour injecter son poison d'interprétation, des tournoiements de la pensée des hommes, effectivement. Parce qu'il ne peut pas avoir la connaissance de la vérité, ni la révélation de la parole de Dieu, pour que les choses de Dieu soient placées selon le plan, en fait, que le peuple de Dieu ait la vue de voir maintenant sa voix. Qui est leur Dieu et comment il faut l'adorer en fait. C'est pour ça que dans ce temps où nous sommes, c'est une grâce de Dieu qu'un homme, une femme puisse réellement. Vous avez regardé, vous avez vu aussi effectivement des prétendues révélations que les hommes et les femmes ont pu avoir à ceci et cela. Regardez ces révélations nous ont conduit à quoi? Les uns s'est conduit dans les tonnerres. On commence à voir des étoiles partout. Mon frère et ma soeur, Dieu n'est pas un gamin pour pouvoir commencer à jouer. Non, 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 non. C'est pour ça que c'est un manque de respect à l'endroit de ces dieux, effectivement. Les autres, ils voient déjà que l'enlèvement sont déjà arrivés. Toujours avec la révélation. Dieu nous a révélé. Quel est ce Dieu qui doit arriver à pouvoir te révéler aussi des choses infâmes? Qui sont contrés, quand même, une révélation est quand même quand conforme aux saintes écritures. Quand on nous dit que le baptême est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ben nous voyons que c'est conforme aux saintes écritures. Je donne un exemple simple pour que vous puissiez voir. C'est quand même quelque chose qui est quand même conforme aux saintes écritures. Mais quand même, quand on dit que nous avons. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez aussi attention. À vous-même, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous vous dites qu'effectivement que Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé. Mon frère et ma soeur, Dieu ne peut pas te révéler quelque chose qui t'amène en dehors de sa parole. Et qui pousse en toi des sentiments qui ne sont pas conformes aux saintes écritures. Non, monsieur, tu peux me parler de la révélation, je t'écoute, mais je passe mon chemin. Même quand tu me dis que, oui, c'est un ange qui est venu m'apparaître, j'écoute. Et je vois le résultat de ce que ton ange l'a dit. Et ta vie à toi, alors. Frère, frère, c'est important. Parce que nous avons appris qu'il faut éprouver. Bien sûr. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, effectivement, il nous dit que quand bien même un ange, c'est pour qu'il savait très bien que ces choses allaient se passer aussi dans ces temps. Oui, bien sûr. Avec l'ange ici, mon frère et ma soeur, Dieu ne va pas envoyer son ange pour toujours à tout bout de champ avec n'importe qui. C'est devenu comme des. C'est pas moi. Non, non, c'est vrai, frère. Il faut que. Parce que quand on vous dit, oh, l'ange de l'éternel, c'est pas l'ange de l'éternel, ce sont des démons. Amen, amen, amen. Bien sûr.
Ah, c'est oui, Satan, c'est déguisé en ange de lumière aussi, comme la Bible le dit, effectivement. Donc, toi, il y a une chose que toi, tu méprises. Parce que et c'est le moyen par lequel Satan sait avoir tout le monde. C'est la simplicité de l'évangile. Savoir qu'effectivement, que pour que toi, tu sois vraiment en communion avec Dieu, il n'y a pas un autre moyen. Frère, même si, je voulais toujours rendre mon témoignage, effectivement aussi, quand le Seigneur est venu, quand j'étais dans Ramiyama, je n'oublierai jamais ce jour-là. Je le répète toujours, effectivement, même si ça faisait 120 fois, mais c'est important pour moi-même. Et quand il est venu pour pouvoir me montrer, effectivement, un rapport avec les quatre êtres vivants, je lui ai posé la question, il m'a donné le courage de le faire. Je dis, mais mon Seigneur Jésus, je ne te vois pas dans les réunions quand j'apporte la parole, quand je dis cela, et c'est comme si tu n'es toujours pas là avec moi. Alors, il m'a répondu, vous savez la réponse? Il dit, mais je suis toujours avec toi. Donc chaque fois que je monte, chaque mois, je dis, mais tu es toujours là, il dit, mais je suis toujours avec toi. Mais en fait, nous, en tant qu'humains, je voulais savoir, il dit, non, c'est pas ça. Je dis, mais je suis toujours avec toi. Et dans les quatre, bien sûr, mon frère et ma soeur. C'est comme ça qu'est notre Dieu. Et vous avez l'impression qu'effectivement, que quand la parole de Dieu vous est apportée, que Dieu ne fait absolument rien. Non, monsieur. Il n'y a pas une chose qui soit plus importante que Dieu. Ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des miracles, ce ne sont pas toujours. Mais c'est vrai. Mais il n'y a qu'une chose qui soit importante pour Dieu, c'est sa parole. Même si vous ne voyez pas les gens qui viennent en nombre ici, effectivement, ce n'est pas ça qui nous importe. La chose, c'est que, est-ce que j'ai la parole de Dieu? Quand j'ai la parole de Dieu, alors je suis sûr et certain que le Seigneur n'ira pas loin. Amen. Jamais il n'ira pas loin. La Bible dit, l'arme de l'Éternel campe. Ah, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ah oui, n'oubliez pas, n'oubliez jamais cela. Ce n'est pas qu'à tout bout de champ, je vais dire que... Non. L'ange de l'Éternel ne peut pas camper autour de n'importe qui. Toujours autour de celui qui les craigne, qui garde toujours sa parole. Et alors là, il voit. Alors, non, attends, non. C'est-à-dire que c'est là que nous comprenons et que nous devons comprendre que maintenant, dans cette phase-là, c'est la phase, effectivement, dont Dieu a toujours eu à pouvoir vouloir. Et ça, c'est son plan depuis la Genèse. Ah oui, c'est vrai. Effectivement. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut quand même que vous compreniez, effectivement. Dieu a toujours voulu lui-même. Parce que les gens ont fait des intermédiaires. Vous n'avez pas remarqué, frères et sœurs? Je vais vous poser une question. Pour que vous puissiez comprendre, c'est important. Vous voyez la Genèse. Vous voyez quand l'homme a été créé. N'est-ce pas? Son image. Vous entendez cela? Amen. Il n'a pas dit que Dieu créa l'homme à l'image des anges. Non, Dieu créa l'homme à son... C'est écrit quand même. Maintenant, regardez une chose qui est très importante. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a placé cet homme dans le jardin d'Éden? Ce Dieu-là venait lui-même. Vous me suivez? C'est ce Dieu-là. Il parlait avec qui? Avec l'homme, donc avec Adam. Donc, Dieu n'avait jamais placé d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire. Donc, depuis la Genèse 21, il a montré ce qu'il veut. Pas d'intermédiaire entre lui et les hommes. Non. Mais lui-même, parlait lui-même à son peuple. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a été fait chair. Pas un ange, monsieur, non. Donc Dieu est devenu un homme. Maintenant, il dit, le Dieu prophète. Donc lui-même. Alors il a tout, effectivement, tous ses attributs, c'est en lui maintenant. S'il doit y avoir un intermédiaire, effectivement, un médiateur, c'est lui toujours. Amen. Donc pas un homme, pas quelqu'un d'autre. Amen. Donc c'est effectivement Dieu qui veut tout cela. Et il le fait. Il y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Un ange? Non, Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? Depuis la Genèse, il a montré cela. Mais les gens n'ont pas bien considéré. Par les chemins, oui, bien sûr, mon frère. Ça a toujours été la volonté parfaite de Dieu, que Dieu lui-même parle avec son sa créature, sa création, effectivement, donc s'exprimant lui-même. C'est parce que Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager
ce que lui, il a créé avec quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi qu'on a même posé la question. Il dit, mais on a regardé là-haut, sur la terre, il n'y avait personne qui était digne. Personne. On peut avoir quelqu'un qui a dit, bon, je fais de toi, Moïse, digne, je te lave, je fais ceci. Il pouvait le faire. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Non. Ah oui, c'est vraiment, c'est vrai. Mais Dieu, c'est pour ça que je vous supplie de pouvoir comprendre ces choses, frère, pour ne pas sortir avec des démons qui s'accrochent toujours à vous. Parce que quand ces démons s'accrochent à vous, c'est parce que vous les aimez. Oui, je répète encore, quand ces démons s'accrochent à vous, parce que, frères et sœurs, la Bible nous dit, sanctifiez-les par... Alors vous comprenez, quand on sanctifie, c'est-à-dire qu'on nettoie chacun. C'est-à-dire que par ta vérité, si tu reçois la vérité, les démons ne peuvent pas rester. Si les démons restent, c'est parce que toi tu veux qu'ils restent. Les démons de la prostitution. Vous me suivez très bien? Le démon de la prostitution, il ne peut pas rester en toi. Mais c'est parce que toi tu aimes la prostitution. C'est pour ça que les démons s'accrochent. On les chasse, on prie pour toi, effectivement. On dit, mais sœur, comprenez ceci. Non, non, tu sors, tu remets les mini-jupes. Tu sors, tu mets des saucissons. Parce que tu as cela, tu le veux cela. Je veux qu'on apprécie mon corps, tu le veux cela. Et ces démons disent, mais moi je suis là pour cela. Je vais t'aider bien, je vais bien te faire tailler et tout ça. Pour qu'on a pas... Alors on va dans les hôpitaux. Mais moi je vais vous étailler comme moi je le veux. Frères et sœurs, vous ne vous rendez pas compte? Vous ne vous rendez pas compte. C'est important que vous compreniez. Frère, il n'y a aucune puissance qui peut résister à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous remarquez, je vais vous montrer une chose. Il y avait un homme qui était possédé. Des légions, comme on dit. Et il dormait dans des cimetières. Et dans ces cimetières-là, il dormait... On pouvait même les lier avec des chaînes. Et casser des chaînes. Mais au plus profond de cet homme-là, dans son fort intérieur, il avait le désir d'être un jour libre. Vous saviez cela? Parce que vous vous dites, ah frère, 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 je vais vous amener quand même quelque chose pour vous amener à cet homme-là qui était lié. Vous connaissez la femme au père des sangs. Cette femme-là. Elle savait très bien qu'aussi longtemps qu'elle perdait son sang, elle ne pourrait jamais rentrer dans l'assemblée de Dieu. Mais comme elle était une fille d'Abraham, et vous me suivez très bien, elle savait l'importance d'être, elle voulait dans son intérieur. Les médecins, tout ça, ont tout fait rien. Mais dans son intérieur, elle avait le désir de s'éteindre dans la présence de Dieu. Maintenant, vous avez remarqué comment Dieu a fait. Quand l'homme de Galilée est venu sur la terre, il n'est pas allé n'importe où. Je fais seulement ce que le Père m'a de pouvoir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et l'homme de Galilée marchait comme ça. Les hommes ne comprenaient pas. Mais où il va? Où est-ce qu'il va? Alléluia. Gloire à Jésus. Que son Saint-Nom soit béni. Il est vraiment Dieu. Il est amour, mon frère. Aimer, c'est Jésus de la bande de ta frère. Amen, amen. C'est la vérité, mon frère. Vous perdez votre temps pour des bêtises inutiles. Mon frère, aimer, c'est Jésus. Amen. Votre vie rentre dans l'ordre. Amen. Il marchait simplement, calmement là. On dit, mais il va où? Il va où? Nous, on fait qu'il vienne dans l'endroit où il y a beaucoup de monde. Non! Jésus ne cherchait pas la foule, mon frère. Alléluia! Regardez-les bien, frère. Il n'est pas comme les autres, mon roi. Un puissant prophète, il n'est pas comme les autres. Il est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait, ses frères, frères, sœurs? Il a laissé tout seul là-bas. Il était où c'est? En Samarie, au puits. Pour simplement une seule. Une seule. Ah. Alléluia. Jésus, il est incomparable, mon frère. Il est incomparable, mon frère. Non, il est particulier, mon frère. Pour une seule âme. Que toi et moi, nous méprisions. Une prostituée, mon frère. Je l'aime, c'est Jésus. Gloire à Jésus. Il n'a pas eu honte de ce qu'on dira de lui. Son problème, c'était l'âme, là. Il s'est assis là. Il a conversé là. On a dit qu'en votre langue, mais il est en train de draguer. Mais Jésus ne drague pas. Jésus donne la parole. Oui, monsieur. Oui, madame. Il s'enfuit, il n'a même rien à voir, frère.
Il était ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a la femme au prix sur toi aujourd'hui. Tu connaissais ce que Dieu avait pour toi. C'est vrai, frère. Et c'est lui qui te parle. Pour Ina, mon frère. Que ni toi et moi, on pouvait l'approcher. Surtout les prédicateurs et de ceux qu'on appelle entre partenaires de mes messages, comme ils disent, ils ne viennent pas vous dire un bonjour parce que je vais me souiller, sœur. Je ne vais pas monsieur, monsieur, ceci. Ils sont eux-mêmes des sépulcres blanchis. Des démons à l'intérieur qui n'ont absolument rien à voir. C'est ça ce que vous êtes dit, mais ce sont des pharisiens d'aujourd'hui. On ne touche pas à ça, parce que c'est ça, quoi, c'est ça. Mais la sœur n'est pas un démon, la sœur n'est pas une chose horrible. Mais non, c'est une fille d'Abraham. Le maître s'est assis là. Vous savez, il savait qui était cette femme-là, non? Il savait. Je l'aime, Jésus de mon cœur. Il est venu lui de bon matin. De bon matin, il s'est assis là au puits. Non, qu'il soit béni. Frère, pourquoi notre amour ne se donnerait pas tout entier à lui? Amen. Tracassé. Si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te parle maintenant, tu lui aurais demandé, tu lui demandais toi-même de l'eau à boire, et il te donnera de l'eau. Si vous connaissez, non? Vous connaissez cela. Et c'est pour ça que ces jours-là, et cette femme-là était dans la foule quelque part, dans un endroit quelque part. Et Jésus, là, il était loin, là. Et il marchait. Alléluia! Il marchait. Les gens criaient, les gens se frottaient, les gens petit patata pour qu'il fasse qu'il dit non, je l'aime beaucoup, frère. Toujours la simplicité, mon frère. Il ne s'est pas tiré par la foule, je ne sais pas sa gloire, mais simplement ce que Dieu lui a dit de pouvoir faire. Non, il mérite la gloire. Amen. Il mérite l'honneur. Il n'y a aucun homme auquel on peut donner la gloire et l'honneur comme lui. C'est pour ça que quand il passait là-bas, dans la femme, ça travaillait. Je puis simplement toucher les bords de son vêtement. Tous mes problèmes, elle était convaincue, tous mes problèmes seraient donc résolus. Jésus, il dit, mais j'ai entendu. Alléluia. Amen. Donc, cette voix-là, petite qu'elle était, oh, par rapport à ses cris, alléluia, blablabla, non, non, non. Donc, cette petite voix, oh, elle résonnait plus fort. Amen. 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 Que les autres. Amen. Parce que c'était les cris de la foi. Amen. Je puis simplement toucher les bords de son vêtement. C'est pour ça la question d'abord, comment je vais le faire, comment ça arrive à... C'est-à-dire qu'il dit, mais si je puis simplement, et alors Dieu fait en sorte que, conduit par lui, et cet homme de Galilée qui marchait, on dit, mais il va où? Et qu'est-ce qu'il va faire effectivement? Et il vient jusque là. Et vous savez, non, il est bon. Je l'aime beaucoup. Il s'est approché, vous savez, en marchant, hein, il a fait exprès. Pour être plus près, pour que la main de la femme. Alléluia! Frère, non. Pour que la main, cette main-là, parce que s'il était trop loin là-bas, il y avait la foule, effectivement, qui l'empêchait. Jésus est bon, mon frère. Alors Jésus a fait comme ça. Alléluia! Oh! Gloire à Jésus! Oh! Gloire à Jésus! Il est bon, mon frère. Il entend aussi ta prière, mon frère. Il entend aussi ton cri, mon frère. Oui, il s'est vraiment approché. En fait, que la main, là, qu'il puisse avoir l'occasion de toucher. Il est bon, Jésus, mon frère. C'est la vérité, mon frère. Et quand la main l'a touché, pour lui montrer que tu n'es pas trompé, tu as vraiment touché, il s'est arrêté. Alléluia. Jésus, mon roi. Il est vivant. Il est vivant. Il est merveilleux, mon frère. La femme, pour qu'elle soit rassurée, que ce qui est à l'intérieur, Dieu du ciel l'a entendu. Voici, ta main m'a touché. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mon frère et ma soeur, on ne peut pas les limiter, mon frère. Ni pour toi aujourd'hui, ni pour toi demain.
Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, frère. Tendre Père et précieux Sauveur. Quel bonheur de pouvoir te servir, mon roi. Quel bonheur de marcher avec toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es vraiment l'incomparable, mon roi. C'est toi qui appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient, Seigneur. Tu nous soutiens, mon bien-aimé Père Dieu. Tu nous fortifies, mon roi. Tu accordes vraiment la grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous marchons avec toi, nous marchons à ta suite, mon bien-aimé Père Dieu. Tu es le Dieu vivant, tu es le toit brillant du matin, Seigneur. Le Dieu que nous aimons, Père Saint-Dieu. Aide-nous à nous concentrer, Père Saint-Dieu, sur ce que toi tu es, ce que tu fais, Seigneur. Oh, nous sommes heureux, mon bien-aimé Père Dieu, parce que nous t'avons trouvé. Une grâce que toi tu nous as trouvé, bien-aimé Père Saint-Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie et t'exalte, mon roi. Pour que ton peuple réalise que tu es vivant, Seigneur. Et tends ta main à toi, bien-aimé Père Dieu. Fortifie ma soeur et guéris ma soeur et mon frère. Qu'ils soient heureux, bien-aimé Père du Saint. Qu'ils soient aussi délivrés, bien-aimé Père Dieu. Parce que tu es vivant, Jésus, mon roi. Parce que tu es merveilleux, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous le croyons, mon bien-aimé Père Dieu. Nos yeux sont fixés sur toi. Tu es venu pour libérer les captifs, mon sauveur. Tu le fais parfaitement, mon roi. Pour guérir les malades, mon bien-aimé Père du Saint. Et sauver les perdus, mon bien-aimé Père Dieu. Pour le fils et fille d'Abraham. Louange et honneur à Jésus. Merci, mon Père. Merci encore pour ce temps. Donne-nous encore des temps. Dans ta présence, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Donne-nous encore des moments, bien-aimé Père Dieu. Pour pouvoir réellement nous réjouir en toi. Et te servir encore, Sauveur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié. Nous nous réjouissons de ta grandeur, mon bien-aimé Père Dieu, de cette bonté, Seigneur. Qui peut comme toi, mon bien-aimé Père Dieu? Il y a la sagesse comme toi, mon bien-aimé Seigneur. Tu es le plus beau parmi les milliers, Seigneur. Tu es le plus glorieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous nous réjouissons de ta parole à toi. Oh, sois béni, Père. Sois élevé, exalté, mon bien-aimé Père Dieu. Nous croyons en toi. Oui, Père. Nous sommes à toi, Jésus. Merci. Merci, Sauveur. Oh, sois béni. Nous avançons avec toi, mon Seigneur. Nous avançons avec toi. Merci pour ce temps de la fin, mon bien-aimé Père. Nous te remercions. Oui, Père. Merci. Merci, Père. Pour l'excellence, mon roi. Merci. Merci. Tu nous soutiens, mon Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue, Père. Merci. Je t'aime, mon roi. Et pardonne, Seigneur. Ne nous laisse pas. Mais conduis-nous, Père Saint-Jean. Dans ta lumière, mon bénémoine, Père. Dans ta victoire, mon bien-aimé Père du Saint, oui, je te suis reconnaissant, mon Sauveur. Garde ton peuple, mon roi. Nous sommes heureux, mon Sauveur, d'agir et de marcher avec toi. Sois béni, sois exalté, mon Sauveur. Merci. Merci, mon Sauveur. Oh, merci. Merci. Oh, Jésus. Merci, merci. Que tu nous pardonnes encore. Que tu nous soutiennes, mon Seigneur. Merci. Oh, Jésus-Christ. Merci. Tu es le Dieu. Merci. Gloire à toi. Merci. Nous te supplions. Nous avons besoin de toi. Merci. Sois béni. Merci. Merci. Tu es Dieu. Nous te remercions, Sauveur. Merci. Merci, Sauveur. À cause de ton Seigneur. Merci encore. Oh, Jésus. Merci pour tout, mon Père. Merci. Tu es roi. Tu es le Dieu vivant. Nous te remercions, Père.
Merci, Père. Gloire à toi. Nous avons ce droit. Nous avons besoin de toi, le Sauveur. Merci pour tout, Père. Merci. Tu es vraiment vivant. Hein. Honneur à toi. Merci, Sauveur. Nous rendons gloire à ton Seigneur. Oh, pardonne-nous encore et soutiens-nous. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Oh, Jésus. Merci, Père. Nous croyons. Merci. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci encore. Pardonne-nous. Merci, merci. Oui, mon Père Saint. Nous te disons merci. Gloire à toi, Jésus, mon roi. Je t'aime, mon Sauveur. Je te remercie. À ta bonté, mon Sauveur. Nous te sommes vraiment reconnaissants, mon Sauveur. Oui, mon Père. Merci, Sauveur. Nous le croyons et nous te remercions. Et encore aujourd'hui, pardonne-nous et soutiens-nous, Père, et fortifie-nous encore, mon roi. Merci encore, Père. Merci. Sois béni. Sois glorifié, mon Sauveur. Merci. Merci, Seigneur. Tu es roi, tu es le Dieu que nous servons et que nous aimons. Merci, Sauveur. Pardonne-moi, mon Sauveur, pardonne-nous. Oui, mon Maître, est-ce que tu le fais? Gloire à toi. Tu es incomparable. Merci. 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 Je t'en supplie, ne nous laisse pas. Mais continue encore, mon Sauveur. Souviens-toi. Requête de ton peuple, mon béni. Souviens-toi des prières de ton peuple, mon roi. Et des cris que ton peuple lance encore aujourd'hui. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux, Père, d'avoir la paix avec toi, d'être pardonné par toi, soutenu par toi et fortifié. Pardonne, Père. Continue davantage à pouvoir nous éclairer. Nous te dire encore, mon béni, mon Père. Merci, Jésus-Christ, mon roi. Je t'aime, mon Sauveur. Oh, je t'aime, mon bien-aimé, Seigneur. Louange et honneur à toi, mon Jésus. Merci, parce que tu vis, Seigneur. Nous vivons également, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es incomparable, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais. Ce que tu fais, ce que tu es. La joie de pouvoir t'avoir et bénir ton peuple là où il se trouve. Et ce matin, tu nous as aussi bénis. Tu sois aussi béni, Père, fortifié encore pour la gloire de ton Saint-Nom. Prends le contrôle de chaque âme, de la profondeur de mon frère et ma soeur, que ce soit simplement ta parole à toi, et que nous n'aimons que toi, mon béni, Père Saint, que ce qui est de la chair soit ôté, mais simplement ta vie à toi. Nous t'aimons, nous te remercions pour tout. Sois béni. Merci pour la paix que tu nous apportes. Merci vraiment pour la bonne santé que tu nous apportes, le Sauveur. La délivrance et le salut que tu nous donnes. Tu nous entoures par derrière et par devant. Merci d'être vraiment présent et vivant, Seigneur, au milieu de nous et parmi nous, Père Saint-Dieu. Sois béni, sois exalté. Gloire te soit rendue. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Dans merveille, que Dieu te bénisse. Nous viens. Dieu
manifeste à celui qui croit, qui a fait triste. Dis à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, rien que qui vit, c'est que Dieu dit. Honor.